what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You said my Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est samedi aujourd'hui. 18 ans d'Angel aujourd'hui, on est en plein dans les préparatifs. On a commencé un tout petit peu à décorer. Hier soir, je vous ai dit, j'espère que Loulou, demain, c'est grasse mat. Il a dormi jusqu'à 9h30 toute la semaine, je dors. Et vous savez quoi ce matin? 6h, top shake. Tchic. Voilà, il était d'attaque. Il a commencé à 5h à chouiner, à bouger et tout. Je me suis dit, oh là là, ça risque d'être mort. Et 6h, c'était fini. Il était descendu, il était... voilà. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, là, il est parti faire la sieste, donc ça nous permet aussi d'avancer un petit peu. Puis comme on a encore des 3 courses à faire, on va y aller tout de suite, le temps qu'il dort. Quand on revient, on finira de mettre la déco. Alors, on a commencé un petit peu, on a gonflé les ballons. Alors, j'ai pas pris une aussi grande arche de ballon qu'on avait pris à l'anniversaire de Léo. Mais ça faisait vraiment trop gros. Là, elle est un petit peu plus petite, il y a moins de ballons et je trouve que ça va mieux. Il faut que je renettoie correctement mon tableau. Je vais faire une petite écriture. J'ai une petite guirlande ici. Voilà, là, ça va être le coin, on va tout débarrasser et ça va être le coin bar. Et puis... là pareil, on est en train de tout bouger, on va bouger le canapé et on a commencé aussi à mettre en place au niveau du buffet pour ce midi. Alors toute cette déco là, c'est ce que j'ai acheté sur Amazon. Donc il y avait le 18, les deux rideaux de fil, ça, les petites brillants ici, c'est pareil, 18 ans et Happy Birthday. Donc ça je l'ai acheté à l'incroyable, ça c'est pareil, ça vient de l'incroyable. Et puis les ballons aussi, c'était dans le kit. Avec. Et puis c'est tout, hein, ce qu'on avait acheté qu'un kit. Hein. Ah oui, et puis après, oui, c'était les trucs pour mettre sur les gâteaux. C'est pour ça qu'il y avait 2 colis. Donc voilà, là, on va aller au grossiste. J'ai 2-3 achats à faire. Et puis, il faut aller chercher du fil américain. J'avais fait la liste. Le grossiste, fil américain. Et la boulangerie. Il faut qu'on aille chercher des baguettes, 2 pains et voir aussi pour un gâteau aussi. Donc on a 3 trucs à faire. Il me faut des assiettes et des gobelets. Je vais regarder au grossiste si on les trouve. Si on les trouve, je vais prendre au grossiste. Ça nous évitera de faire un deuxième magasin. Donc on va se dépêcher. J'ai reçu aussi le cadeau que j'ai acheté à Kim pour sa naissance. Alors elle sait ce que c'est. C'est une écharpe de portage. En fait, c'est entre l'écharpe de portage et le porte-bébé. Je vous la montrerai quand je lui offrirai. En fait, l'écharpe de portage, c'est pratique quand on a des bébés, des nouveau-nés et tout. Surtout que là, il va falloir qu'elle libère ses mains. Donc, mais ce qu'il y a, c'est que c'est compliqué quand même à mettre, surtout quand on est tout seul, faut le coup de main quoi en fait. Et là, ça s'enfile comme un t-shirt. Il y a déjà le dos, en fait c'est entre l'écharpe de portage et le porte-bébé. Donc c'est beaucoup plus simple à mettre, il n'y a pas d'histoire de nœud et tout à mettre. Ça avait l'air d'être sympa. Donc du coup je lui ai pris ça, je me suis dit que ça allait lui libérer ses petites mains. Elle allait pouvoir mettre Noé dans le porte-bébé et puis avoir ses mains pour Léo comme ça. Donc comme je vous ai dit hier, elle ne sort pas aujourd'hui, elle sortira demain matin. Elle a hâte, très hâte. Hein? Surtout que là, voilà, elle est bien et tout, la journée va être longue en plus aujourd'hui. Surtout qu'en sachant qu'on est ici et tout, ça va être, je pense que ça sera un petit peu dur pour elle. Mais bon, comme je lui ai dit, c'est juste partie remise. Hein. Elle a un beau cadeau, elle. Allez, on va se dépêcher, faire un max pendant que le bébé il dort. Parce que... oh là là, les cernes. Oh, j'avais oublié les nuits. Bon, après, il dort, hein, mais ce qu'il y a, c'est que je dors pas bien, moi. Le fait que je suis réveillée quand il bouge, quand il... voilà. Et puis, dès qu'il fait du bruit ou quoi, je suis réveillée, con. Mais bon, hein, on a oublié. On oublie vite. Hein? J'ai toujours dit à Greg, on est un petit peu sadomaso, nous, les femmes. Parce qu'on a mal quand on accouche, on souffre, on fait les nuits, et puis tout ça, on l'oublie et on recommence avec le grand sourire, quoi, en fait. Avec plaisir et on est heureuse. Hein? Ouais. Allez, je vais boire un petit verre et puis on va y aller. Je vais aller peut-être me maquiller un petit peu parce que je risque de leur faire peur dans les magasins. On est rentrés. On en a eu pour un moment. Les enfants ont géré comme des chefs. Ils ont mangé, j'avais changé mon menu.
de ce midi avec celui de lundi. Du coup, ça va être c'était des crocs ce midi. Donc, ils ont géré ça. On a été du coup à Intermarché. J'étais chercher mon fil américain. Puis j'ai pris les bonbons que j'avais oubliés. Ensuite, on est passé à la boulangerie. On a été chercher les baguettes pour ce soir. Et j'ai pris deux gâteaux aussi pour faire les gros gâteaux. Pour mettre les bougies. Donc, un au caramel. Et puis en dessous, c'est un à la framboise. Voilà. Et ensuite, du coup, je suis passée au grossiste. Au grossiste, j'ai pris tous des mignardises pour mettre en plus des gâteaux. J'ai pris des mini donuts, des petits profiteroles choux comme ça, des mini éclairs, et c'est des macarons. Et après, on a acheté notre purée de framboise que j'ai besoin pour mon cocktail de ce soir. Et j'ai repris de la mayo aussi parce que j'en ai plus. J'en avais plus, j'ai fini. Hop. Et ensuite, on a été à Fête et Sensation. Donc là, tiens, tu peux ramener les crocs, chérie. J'ai pris des flûtes comme ça en plastique. Je me suis dit que ça m'éviterait la vaisselle. C'est cool. Et j'ai pris des assiettes aussi. C'est plus pour le dessert. Parce qu'on n'en a pas besoin pour le repas. Le fait que c'est des sandwichs. Voilà. Un petit peu, ouais, tout ce qu'on a acheté. Bon, on va se carburer, on va manger, et je voudrais finir de tout mettre en place, ranger un tout petit peu la maison, et puis après se reposer, peut-être un petit peu. Non. C'est mis en place. Alors, on a fait assez simple, hein, salle à dos, hein. Hop. On a sorti les boissons, donc là il va y avoir un pichet aussi avec du, enfin une carafe avec du vin. Au pamplemousse, du rosé pamplemousse. Là, je vais faire le cocktail, on va faire ça tout de suite. Je vais juste pas rajouter, il y a du mousseux en fait dedans, je vais juste pas le rajouter. En fait, on a préparé les plats qu'on avait besoin avec tous les petits chips, cacahuètes. Voilà, il y aura plus qu'à remplir. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est comme ça, comme tout le monde me donne un coup de main, j'écris, je fais un petit truc, je prépare les plats et j'écris dessus ce qu'on va rajouter dedans. Donc, comme là, saucisson, chorizo et saucisson à l'ail. Et comme ça, ben, les enfants pourront me donner un coup de main. Vous voyez, comme là, cacahuètes. Les olives, voilà, à chaque fois je note ce qu'il y a à mettre dedans, comme ça il n'y a plus qu'à. Et là c'est pareil, j'ai sorti tous les plats que je vais avoir besoin. Donc là ça va être pour mettre les, le pain, j'ai coupé des morceaux de baguette, charcuterie, les petites tartinades que j'ai pris, donc thon, j'ai pris thon, poulet, surimi, le fil américain, ça c'est pour mettre les petits oignons et les cornichons. Voilà, mais fais pas de dodo, lui. T'arrives pas à faire dodo? Tu veux pas dodo? Il était tranquille en train de dormir et découper. Tu veux pas dodo? Et on va aller voir maman après. Je jure, au début je pensais qu'il allait dormir. Bah attends, Angel, alors range pas tout de suite parce qu'il va aller remettre le bordel. En fait, on a mis le canapé dans ce sens-là, comme ça on a une grande place. Là, Greg est parti voir pour avoir une douille. Parce qu'en fait, on en avait une. Mais on l'a filée à Kim. Parce qu'à son lustre, elle est plus. Donc du coup, on lui a filé la douille en attendant. C'est une douille de chantier en fait. Donc Greg, là, il est parti en chercher une. Il va l'enlever parce qu'il est bas. Hein. Donc, bing. Et puis comme ça, on va mettre la lampe. Vous voyez la lampe qui fait les petites lumières là? Bon allez, on va faire le cocktail. Alors, le cocktail de ce soir, on va faire un French Love. Je me suis dit que ça allait bien avec Angèle. Donc je vais, c'est de la vodka, de la crème de mûre, un mousseux. Donc moi je mets du Charles Vollner. Je mets jamais des cocktails, enfin des champagnes ou quoi dans un cocktail. Je trouve que ça cache le goût en fait, le cocktail. Comme là il va avoir pas mal de fruits dedans. Donc mettre un bon vin, c'est comme mettre un bon vin dans la nourriture quoi en fait. Je trouve ça, enfin c'est perso, hein, voilà. Je trouve ça un peu bête quoi en fait. Je préfère autant le boire, le champagne, le boire comme ça quoi en fait. Donc je vais mettre un Charles Vollner, du cranberry, de la purée de framboise, il y a du miel dedans pour sucrer le tout, et du jus d'abricot. Au niveau des quantités, alors moi je vais vous donner les quantités pour 3 litres de boisson. Il faut, alors je vais peut-être les quantités pour un verre si ça vous intéresse. Ouais, je vais plutôt vous donner ça. Alors pour un verre, il faut 3 centilitres de vodka, 1 centilitre de crème de mûre, donc liqueur de mûre, on trouve ça facilement dans les rayons, là où il y a les champagnes souvent, tout ce qui est mousseux et tout. 3 centilitres de champagne, comme je vous ai dit, moi je vais le remplacer par du Charles Vollner. 2 centilitres de cranberry, 2 centilitres de purée de framboise, une cuillère à café de miel et 2 centilitres de jus d'abricot.
Je sors Marley en même temps. Donc voilà, pour les quantités pour un verre. Comme ça, c'est bon, je pense. Bah ouais, logiquement, si ça fuit pas, c'est bon. Je vérifie. Alors, on y va. Bon. Alors, c'est mort ? Faut pas faire dodo ? Non, c'est pas ça. Donc voilà, j'ai préparé ma base de cocktail. Il n'y aura plus qu'à à mettre le... Il y a un peu rouge. Avec French Lover. Il n'y aura plus que le mousseux à mettre dedans pour compléter. Et en fait, je le mets après le mousseux pour pas qu'il perde ses bulles. Et comme ça, il sera bien frais. Ça va rafraîchir en même temps le cocktail. Je rajouterai aussi un petit peu de gaspillé dans les verres. Et ça sera nickel. Donc voilà, ben, je pense que c'est bon. On va remettre le fauteuil en ordre. Greg est parti en même temps. Il va passer chez mes parents pour aller chercher des chaises aussi. Mais voilà. On est bon. Je vais aller me préparer. En fait, je vais aller me préparer parce qu'après, on va aller faire un petit coucou à Kim pour qu'elle a quand même de la visite et qu'elle voit Loulou. Alors, Quentin aurait pu le chercher, hein, mais pour qu'il reste le maximum avec Kim parce que ce soir, il va faire un petit coucou quand même à l'anniversaire de son père. Donc, du coup, il va plus pouvoir rentrer après. Donc, Kim va passer sa nuit toute seule avec Loulou. Donc, je lui dis, laisse, on va te le ramener. Et puis, en même temps, je ramènerai son cadeau et puis les affaires qu'elle m'avait données à laver. De toute façon, elle sort demain. C'est sa dernière nuit. Hein? Allez, du coup oui, je vais aller me préparer, comme ça quand je rentre d'avoir été faire un petit coucou à Kim, j'ai plus qu'à remplir les plats et c'est tout. Tout est fait, tout le reste sera fait. Ça va aller vite quoi en fait. Donc même si on rentre sur le coup de 6h, les gens arrivent, enfin on a dit aux personnes de venir, enfin aux invités de venir pour 19h. Donc ça sera cool quoi. Puis de toute façon tout ce qui est plat, enfin j'aurai vraiment que les plats apéro à servir. Parce que tout ce qui est plat je les servirai au fur et à mesure. Je vais pas laisser la charcuterie comme ça hors du frigo. Je remplirai une fois qu'on aura fini l'apéro. Ça va aller vite, de toute façon je vais tout poser comme ça. Pas de chichi ce soir. On a été voir Kim, on a été déposer en même temps Loulou. Parce que comme je vous ai dit, il va aller avec son papa voir l'anniversaire de son autre papy. Et puis ensuite, Quentin va nous le ramener. Comme il va dormir à la maison, comme ça dès qu'il est fatigué, il va nous le ramener. Il finira sûrement une partie de la soirée avec nous, puis après il ira faire dodo. À moins qu'il est vraiment fatigué et qu'il va dormir tout de suite. Mais à mon avis, quand il va arriver, qu'il va avoir du monde et tout... Il risque de se réveiller. On a ouvert tous les petits paquets, on a mis tout en place. Il n'y aura plus qu'à... Voilà, on va attendre les invités. Greg est en train de se changer un petit peu. Un coup de cul du fils. Hop. Voilà ce que ça donne un petit peu. Il manque le rosé pamplemousse, Stacy. Hein? Le rosé pamplemousse, il manque. C'est un rosé. C'est un cubi là de rosé. Marley ? Dehors. Il est dehors. L'avantage quand il fait froid, c'est que on met dehors. Ça rend bien, n'empêche le petit rideau de fil comme ça. Et que ça fait un fond. On va pouvoir faire des photos. Ici. Tu peux pas fermer la porte. Tu peux pas fermer la porte. Ouais, je veux dire à Marine qu'elle. Ah ! Si tu veux. Si tu veux pas voir Greg en caleçon. Du coup je vais éteindre là pour pas que vous le voyez aussi en caleçon. Je vais vous laisser là, je vais profiter de ma soirée. Je vous laisse avec les quelques images du coup de l'anniversaire à Angel. Parce qu'on veut garder ça en souvenir. Puis ben, on se revoit tout à l'heure sûrement pour vous faire un petit au revoir avant de quitter cette vidéo. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of our romance. You make me feel so alive, always there in my mind. But I just don't know, I just don't know if I'll dance with the lights on.
If you're gonna be moving on solo, wait a second, cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out to me. Reach out to me. Arrangé, enfin un petit peu. Hein. La vaisselle, elle est. Tout est dans le lave-vaisselle. Demain, il y aura juste du rangement à faire. J'avais déjà fait tourner la lave-vaisselle le temps que Laurent était là. Là, on vient mettre le reste. Les plateaux, tout est nettoyé, tout. Par contre, j'ai encore plein de restes. J'ai prévu plein de trop. On va manger du reste pendant un moment, je pense. Hein ? C'est bien ? Il y a un truc qui fait bip depuis tout à l'heure, je sais pas c'est quoi. Ah, la l'interphone. Loulou est revenu au bout de... Hein, il n'est pas resté longtemps en fait. Hein. Ben, à la fête du papa de Quentin, ils étaient tous déguisés et ça faisait peur. Oh, ça faisait peur à Loulou. Donc du coup, il nous l'a ramené. Oh, je suis fatiguée. Je vais vite aller dormir. Ah, c'est ça. C'est pour ça qu'il bipe comme ça. Ben, de toute façon, je vais monter. Bon allez, c'était une belle soirée, hein? Ouais, je suis en train de squatter ton lit, mais bon, c'était une belle soirée, hein? Ils sont bien amusés. Il y avait les copains d'Angèle aussi. Et de bas, rangement. Et ouais, Loulou, il a bien tenu. Après, ouais, il était en forme. T'as essayé deux fois hein, de monter? Il est monté, il était 23h, je pense. Ouais. Un peu plus. Ouais. Et c'est vrai qu'il tient bien hein, le soir. Quand il est dans l'ambiance. Oh là là. Mal au dos. Moi j'ai mal aux pieds. Un petit massage de pied, chérie. Non, il pue à cette heure-ci. Quoi, il pue à cette heure-ci, tiens. Oh là là, je sais pas, tu vas pas regarder la cette. Non, je vais la mettre en veilleuse. Comme les gosses, il lui faut une veilleuse. Hein? Angèle! Qu'est-ce que tu fais? Chut! Bon, allez, moi, je vais vous laisser. Je vais vous faire des bisous. Je vais me démaquiller, mettre mon pyjama et aller faire dodo. En espérant que Loulou ne me réveille pas demain à 6h du matin. Allez, bisous, à demain.